Sourate, les Byzantins. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Alif, l'âme, mime. Les Byzantins ont été vaincus, dans la région la plus basse, par rapport au niveau de la mer, de la terre, Adna et l'Arde. Après leur défaite, ils vaincront, dans quelques années. À Dieu appartient le commandement avant et après. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront, eux aussi, du secours de Dieu. Il fait triompher qui il veut, car il est le Tout-Puissant, le Clément. C'est une promesse de Dieu. Dieu ne faillit jamais à sa promesse. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Ils ne s'intéressent qu'à un aspect, matériel, de la vie dans ce monde ici-bas, et se désintéressent de, ce qui pourrait leur être utile pour, la vie future. Que ne méditent-ils pas en eux-mêmes Dieu n'a créé les cieux, la terre et les espaces compris entre eux qu'à dessein et pour un terme fixé. Mais la plupart des hommes dénient leur comparution devant leur Seigneur. N'ont-ils pas parcouru la terre pour observer ce qu'il est advenu de ceux qui les ont précédés Pourtant, ils les surpassaient en puissance et avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. De plus, leurs messagers leur avaient apporté des preuves évidentes. Ce n'est donc pas Dieu qui fut injuste à leur égard, mais eux-mêmes furent injustes à l'égard de leur propre personne. Le sort le plus funeste fut réservé à ceux qui s'étaient rendus coupables de mauvaises actions, lorsqu'ils avaient traité les signes de Dieu de mensonges et les avaient raillés. Dieu instaure la création une première fois, puis la renouvelle. Puis, c'est vers lui que vous serez ramenés. À l'avènement de l'heure, les criminels seront au désespoir. Aucun de leurs associés n'intercédera en leur faveur, et eux-mêmes renieront leurs associés. À l'avènement de l'heure. Ils seront séparés. Ceux qui auront cru et accompli des œuvres pis, se délecteront de la félicité du paradis, jardin. Quant à ceux qui auront dénié nos signes et démenti l'existence de la vie future, ceux-là seront soumis au châtiment. Gloire à Dieu! Par ces mots, exaltez-le le soir à votre coucher, et le matin à votre réveil. Loué soit-il dans les cieux et sur la terre, au moment où la nuit est la plus sombre. Et au moment où le jour est baigné dans la plus grande clarté. Il fait sortir le vivant du mort, et il fait sortir le mort du vivant. Il revivifie la terre. Et de même, vous en serez sortis, au jour de la résurrection. Un autre de ces signes, signe de sa toute-puissance, est celui de vous avoir créé d'un extrait d'argile et vous voilà homme évoluant sur terre. Un autre de ces signes, est d'avoir créé pour vous vos conjoints de votre espèce afin que vous trouviez la sérénité auprès d'eux. Et il a consolidé vos liens en suscitant l'affection et la bienveillance entre vous. En vérité, il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent. Un autre de ces signes, est la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos idiomes et de vos couleurs. En vérité, il y a là des signes pour les esprits savants. Un autre de ces signes, est d'avoir institué votre repos pendant la nuit. Et votre quête de ses bienfaits pendant le jour. En vérité, il y a là des signes pour des gens doués d'entendement. Un autre de ces signes, est de vous faire voir l'éclair dont l'étincelle est pour vous objet de crainte, mais aussi de grandes attentes, et de faire descendre une eau du ciel par laquelle il revivifie la terre. En vérité, il y a là des signes pour ceux qui raisonnent. Un autre de ces signes, est que le ciel et la terre se maintiennent par son ordre, puis lorsqu'il vous appellera, vous surgirez aussitôt de la terre. À lui appartiennent tous ceux qui peuplent les cieux et la terre, chacun résigné à sa volonté. Et c'est lui qui instaure la première création, puis la renouvelle. Et cela lui est plus aisé. Il est l'éminence absolue dans les cieux et sur la terre. Il est le tout puissant, le sage. Dieu vous propose une parabole à partir de ce que vous êtes en mesure de concevoir de ce qui ressort de votre vie quotidienne. Consentiriez-vous à associer certains de vos esclaves aux biens que nous vous avons prodigués, de sorte que vous soyez égaux dans la propriété, les craignant dès lors, comme vous vous craignez les uns les autres C'est ainsi que nous énumérons les signes pour des gens qui raisonnent. Mais loin de croire, les injustes s'obstinent à poursuivre leur pratique dans l'ignorance. Mais qui peut guider celui que Dieu égare cela n'auront pas de protecteur. Attache-toi exclusivement à l'observance du culte en monothéiste pur. Une disposition dont Dieu a naturellement doté l'homme. Et rien ne saurait dénaturer ce qui est intrinsèque à la création que Dieu a voulu. Telle est la religion de la rectitude. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Revenez repentant vers le Seigneur, et craignez-le, observez la sala et ne soyez pas du nombre des polythéistes. De ceux qui morcelèrent leur culte en plusieurs écritures, chaque faction prétendant faire prévaloir ce qu'elle avait reçu, les écritures. Lorsqu'un malheur frappe les hommes, ils invoquent leur Seigneur et reviennent à lui repentant, mais à peine leur prodiguent-ils quelque miséricorde émanant de lui, qu'un groupe d'entre eux lui donne des associés, témoignant ainsi de leur ingratitude à l'égard des bienfaits dont nous les avons comblés. Appréciez, nos bienfaits. Vous saurez bien assez tôt ce qu'il adviendra de vous. Serait-ce que nous leur avons envoyé un argument qui prête foi à ce qu'ils associent à Dieu Lorsque nous faisons goûter aux hommes quelque miséricorde, ils s'en réjouissent. Dès lors qu'un malheur les frappe pour les punir de leurs actes, ils s'en accablent. Ne voit-il pas que Dieu prodigue ses bienfaits à qui il veut, et dans la mesure qu'il lui plaît de prodiguer En vérité, il y a là des signes pour ceux qui croient. Donne-leur du, aux parents proches, aux nécessiteux et à l'hôte de passage. C'est mieux pour ceux qui cherchent à plaire à Dieu. Ceux-là sont les bienheureux. L'usure que vous pratiquez au dépens des biens de vos semblables, n'accroîtra pas le nombre de vos bonnes œuvres auprès de Dieu. Mais l'aumône, Zaka, que vous versez pour plaire à Dieu, multipliera votre récompense. C'est Dieu qui vous a créé, qui pourvoit à votre subsistance. Qui vous fera mourir et qui vous ressuscitera Parmi ceux que vous lui associez, en est-il qui soit capable d'accomplir quelque acte de cela Gloire à Dieu et exalté soit-il au-delà de tout ce qui lui associe. La pénurie n'est apparue sur la terre et dans la mer qu'en raison du mal perpétré par la main de l'homme. Dieu les éprouve ainsi afin de leur donner un avant-goût des conséquences de leurs actes. Puissent-ils s'amender Dit Parcourez la terre et considérez quel sort échue à ceux qui vous ont devancé, et qui étaient pour la plupart polythéistes. Attache-toi exclusivement à l'observance du culte de la droiture, avant l'avènement d'un jour que Dieu ne voudra pas différer, où ils, les hommes, seront séparés en deux groupes. Ceux qui auront dénié, répondront de leur dénégation, et ceux qui auront accompli des actions pieuses, auront ainsi œuvré pour leur salut. C'est ainsi que Dieu récompense, en leur accordant sa grâce, ceux qui croient et accomplissent des actions pieuses, car il n'aiment pas les dénégateurs. Un autre de ces signes, est de vous envoyer les vents annonciateurs d'heureuses nouvelles, comme autant de préludes à sa miséricorde, afin que les vaisseaux voguent, poussés par ses vents, sur son ordre, et que vous vaquiez ainsi à la recherche de ses bienfaits. Puissiez-vous en être reconnaissant. Avant toi, nous avons envoyé des messagers à leur peuple. Ils leur ont apporté des preuves évidentes. Nous avons sévi contre les criminels, car c'est une obligation qui nous incombe de protéger les croyants. Dieu est celui qui vous envoie les vents qui soulèvent les nuages. Il les étale alors dans le ciel comme il lui plaît, il les dispose en masse, superposées, puis tu vois l'onde filtrer à travers elles, les masses nuageuses. Lorsqu'elle s'abat sur ceux de ses serviteurs qu'il choisit, les voilà qui se réjouissent des bienfaits qu'elle annonce, eux qui étaient auparavant dans le désespoir, avant qu'elle ne tombe sur eux. Médite les effets de la grâce de Dieu, et observe comment il revivifie la terre. Telle est l'œuvre de celui qui ressuscite les morts, car sa puissance s'étend à toute chose. Pourtant, si nous déchaînons un vent, destructeur, et qu'ils voient leur culture se dessécher, ils n'auront de cesse, après son passage, de manifester leur ingratitude. Tu, prophète, ne peux te faire entendre des morts. Pas plus que ton appel ne peut être entendu des sourds qui se détournent de toi, de même que tu ne saurais guider les aveugles égarés dans leurs ténèbres. Tu ne seras entendu que de celui qui croit en nos signes. Ceux-là sont totalement soumis. C'est Dieu qui vous crée faible, puis il remplace la faiblesse par la force. Puis après la force vient la faiblesse et la décrépitude. Il crée ce qu'il veut. Il est l'omniscient, l'omnipotent. Et à l'avènement de l'heure, les coupables jureront n'être restés sur terre que pendant une heure, un court laps de temps. C'est ainsi qu'ils ont été détournés de la vérité. Mais ceux à qui la science et la foi furent donnés, leur diront, Vous y avez séjourné, en vertu du décret de Dieu, jusqu'au jour de la résurrection. Et nous sommes au jour de la résurrection, mais vous n'en saviez rien. Ce jour-là, il ne servira à rien aux injustes de s'excuser, et il ne leur sera pas donné de s'amender. Nous avons proposé aux hommes, dans ce Coran, un exemple s'appliquant à toutes sortes de situations, et pourtant, leur apporterais-tu un prodige, que les dénégateurs diront à coup sûr, vous n'êtes que des faussaires. C'est ainsi que Dieu scelle le cœur de ceux qui ne savent pas. Sois donc constant. La promesse de Dieu s'accomplira. Ne te laisse pas ébranler par ceux qui ne sont pas convaincus.